Bonjour à tous, bienvenue sur FS17 sur la map Terre Bretonne V1 pour un nouveau numéro, un nouvel épisode 100% Renault et vieux matos. Donc voilà, donc je vais remercier tous ceux qui ont regardé la série, la première vidéo. Donc on a toujours notre Renault qui est là-bas, le Renault 725. Qu'on a ici. J'ai changé de moissonneuse. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai changé de moissonneuse? Pourquoi j'ai changé de moissonneuse? Tout simplement que la Newland, elle n'arrêtait pas de s'arrêter et de se relancer, comme si elle sautait, le cul sautait derrière. Donc, si vous avez vu le premier épisode, donc voilà. Donc c'est pour ça que je refais encore un épisode sur la moisson. Mais après, vous inquiétez pas. Vous aurez tout. Donc, j'ai dû changer de moissonneuse. Du coup, j'ai pris la... Donc, j'avais la Newland. La Newland sautait du cul. Voilà, elle sautait du cul. Donc, ça faisait que ça arrêtait la moissonneuse. Elle a relancé, elle ravançait, s'arrêtait, ravançait, s'arrêtait. Voilà. Après, du coup, j'ai changé. Du coup, j'ai pris une Dominator 118. La Dominator 118, le truc qu'on accroche, la barre de coupe... je vous montrerai, était trop bas. Donc il y avait un champ sur le côté du champ, vous voyez, ça montait pas mal. Et ben la moissonneuse, d'un coup, elle partait en biais. Elle voulait pas revenir, je pouvais pas la contrôler pour la revenir. Donc j'ai changé de moissonneuse. Du coup, j'ai testé toutes les moissonneuses. Donc on a la 218 méga, non pas la 218, la 208 méga. C'est la même que la 118, mais en même capacité, je crois qu'elle avait la même capacité, donc voilà. Donc j'avais une autre moissonneuse, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, il nous reste 3000 euros, mais vous inquiétez pas, on va se refaire. Du coup, j'ai testé celle-ci, donc on avait celle-ci, ouais, donc voilà, j'ai testé celle-ci, alors attendez, J'ai testé. Du coup, on avait celle-ci, la TF78. Puis j'ai testé celle-ci, mais bon, je l'aime pas trop. Du coup, sur une autre partie, hein, sur la même map, mais sur une autre partie, une titée, hein, pas ici, parce que sinon j'aurais plus d'argent, j'aurais pas pu acheter la 218. Du coup, j'ai pris celle-ci, elle glissait aussi. Du coup, j'ai pris celle-ci. Mais bon, elle a une trop petite capacité et j'ai pris celle-ci, d'accord, qui a la même capacité que celle-ci, sauf que la 118 a 7500 de capacité et elle a 7130 de capacité. Donc voilà, donc j'ai dû. Voilà. Vous voyez, j'ai aussi mis le pack MF, donc ça veut dire que j'ai les tracteurs. Mais vous inquiétez pas, je vais pas les utiliser, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai les packs MF, d'accord, mais j'utiliserai que les outils, c'est pour ça qu'il y avait que les outils, mais je ne vais pas prendre les tracteurs. Donc voilà, du coup, voilà, et j'en ai une autre, si vous la voulez, je l'ai trouvée. Alors attendez, un peu, c'est la Newland, mince, bon, ils ne nous la disent pas, bon, je crois que c'est à 80, je crois, 80, je crois, on verra bien, du coup, voilà. Donc voilà pour cet épisode. Donc là, on va aller moissonner du colza, si j'ai bien dit. Si monsieur, voilà. Du coup, c'est du colza. Vous voyez, la map, elle est petite la carte. Mais quand vous voyez, elle est grande. Voilà. Allez, on y va. J'espère que vous m'entendez bien avec le son du jeu. Si vous n'entendez pas trop le jeu, dites-le moi. Ah, aussi, faut savoir que l'épisode était... L'épisode 1 est sorti mardi. Alors attendez. Donc l'épisode 1 est sorti mardi. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors attendez, je vais commencer par là. Donc est sorti mardi
Et elle a fait 15 vues en une journée. Donc là, je remercie et j'ai gagné un abonné. Donc merci à tous. Là, en ce moment, elle a 30 vues. Elle a 30 vues la vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi, la deuxième. Bon, on va faire que de la moisson, ne vous inquiétez pas, je vais avancer en off. Là, j'ai avancé tous les champs de blé ou je sais plus quoi. On verra ce qu'on prendra comme matos. Je vous ferai participer au matos aussi. Ah, j'ai la barre de coupe de colza. Oh, ouais. Automatique. Donc j'ai mis pas mal de trucs. Allez, un peu de vue d'inter, un peu vue intérieure. On est bien. Ouais, on n'a pas les indications, mais pas grave. Alors, on s'entend mieux dedans. J'espère que je ferai pas les oublis, mais je les ramasserai en off. Donc voilà. Donc il faut savoir que j'ai posté la semaine dernière 3 vidéos. Donc vous avez eu la première épisode qui a cartonné. Là, je vous en remercie encore une fois. Puis la ferme de la semaine, normalement, devait être le mercredi, mais je l'ai décalé à vendredi pour pas que ça vous fasse une vidéo tous les jours. Donc voilà. J'ai dit au moins ça sera décalé, comme ça vous n'en aurez pas marre des vidéos que chaque fois que je poste. Comme ça vous fait une petite pause. Du coup je l'ai posté. Et la nouvelle série forestier sur la map d'origine du jeu, hein, la Goldcrest Valley. Donc qui a vraiment cartonné. Ah, là, le bip, c'est le mode cabine, je crois. Là, ça veut dire qu'on est à 25%. Après, je crois qu'il y a 50 et 80, je crois. 80, il y a les gyros qui s'allument et tout. Je fais un petit détourage. Je crois que je vais en faire un deuxième. Et je le ferai en off. Parce que je voulais avancer sur ma partie perso, mais du coup je vais avancer sur cette série. Qu'est-ce qu'on fera sur la prochaine épisode? Franchement, je verrai ce qu'on fera. Parce que je sais que il y a un champ à presser. Il y a un champ à presser. On verra les gens, donc on verra. On verra, donc on verra. Donc attendez 2 minutes. Re. Donc j'avais un truc à dire à quelqu'un. Bon, je ne prends pas toute la barre de coupe. Pourquoi? Parce que regardez, en vue extérieure. Bon, ça va. Des fois, je prends pas toute la barre de coupe. Hop. Je vais voir si on est plein. Du coup, ce sera notre seule moissonneuse qu'on a. Du coup, ce sera celle-ci qu'on aura.
N'hésitez pas à liker la vidéo, hein. Comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Là, c'est qu'on a 50%. Il faut savoir que j'ai mis plein de modes. J'ai mis pour écraser les cultures, etc. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis des petites remarques. J'ai une remarque. Le bouche. Le bouche. Du bouche. Qui est disponible une petite. Une essieu. Pour faire par exemple les épandages d'engrais solides. Pour faire les épandages d'engrais solides. Du coup voilà. On verra bien. Ouais, j'ai ça parce que on va faire vraiment réalisme comme les anciens, comme avant, parce qu'on n'avait pas. Comme on fait maintenant, par exemple, l'épandage d'engrais, on va le faire. On va le faire quand on aura. On chargera sur une benne et puis on mettra tout le. On le videra par l'épandeur d'engrais, etc. Vous verrez bien. Je vous fais un peu de vue d'intérieur. Un vue d'intérieur. Voilà. Je pense qu'il y aura de la charrue à passer, je pense. Ah oui, il y a un champ de. Je crois de betterave. Pour l'instant, je stocke. Dites-moi ce qu'on va faire comme animaux. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qu'on va faire comme animaux. Vache, cochon, ou mouton. Hop, je vais reprendre l'autre côté. Dites-moi ce qu'on fait comme animaux. Vous avez le choix, il y a cochon, mouton et vache. Faut bien me le dire parce que là je suis en train de stocker pour l'instant parce que on sait pas ce qu'on va faire. Là on avance sur la série. N'hésitez pas entre vous, entre abonnés. Soit je vous mettrai un commentaire, trois commentaires par exemple mouton, cochon et vache. Voilà, je cherchais. Ou soit qu'est-ce que voilà et ouais je crois que je mettrai comme ça un commentaire cochon, mouton, vache. Je mettrai voter voter cochon vote je mets marqué vote like cochon pareil pour les moutons pareil voilà sur les trois commentaires et n'hésitez pas à liker et ça sera le ça sera ça sera la comment dire. Ça sera le comment ça sera un des trois commentaires qui sera le plus liké, qui sera le voté, on va dire. Moi, le vote va se faire comme ça. Je le mettrai au tout début de la vidéo quand j'aurai posté la vidéo. Donc cherchez bien. Je vais l'être mis. Je crois que je vais faire comme ça maintenant. Elle penche. Ah mais j'ai vu. Donc voilà. J'ai même mis aussi le proceed aussi pour vous dire. Le proceed c'est quoi? C'est un mode pour
Pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est le. En fait, c'est quand vous semez. En fait, c'est avec le semoir. Vous réglez comment dire, la largeur, pas du semoir, mais de l'épandeur en grès. Ou l'épandeur liquide. Bon, le pulvé, voilà. Je vais arriver à le dire un jour, hein, mais. Vous réglez la largeur qu'il fait. Ben, vous regardez le pulvé, combien il fait la largeur. Vous le mettez sur le procide. Et vous faites soit automatique, soit manuel, comme vous voulez. Et en fait, moi je me suis jamais servi du procide, mais j'ai vu un peu les trucs du procide, donc vous verrez bien. Et oh, je suis plein. Voilà, ça j'ai ferme, ça je ferme. Hop là. Ah, j'ai oublié de présenter le Renault. Donc j'ai acheté un deuxième Renault. Donc c'est le 155 Turbo. Voilà. Et je crois que je vous ai déjà. La cochée, je vous ai déjà présenté ceci. Donc nous, on va prendre le Renault. Voilà. De toute façon, ça changerait de benne, soit j'en achèterais une autre à part. Tu veux savoir, je prépare tout pour la. Pour. Ah ouais, moi je veux pas monter dans la culture, moi. Je préparerai tout pour la. Pour la partie. Pour accueillir ce que vous voulez. Et quand on aura voté, ben je vendrai ce que je n'ai pas besoin ou on verra. Ça nous fera un peu d'argent. Ça vide au moins. Oui, ça vide, c'est bon. Là, donc n'hésitez pas à voter dans les commentaires. Je mettrai les trois de mes commentaires, d'accord? Vous aurez juste à liker et le commentaire qui sera plus liké sera voté. Parce que moi j'aime bien faire les trois. Hein. Je sais que ça va nous rapporter pas mal d'argent. Je sais que les moutons ça nous rapportait pas mal d'argent. Donc voilà. Je pense qu'on va pas tout faire dans la vidéo. Je voulais livrer mais je suis pas plein donc. Soit on le fera dans la prochaine épisode, je verrai, parce que faut qu'on ait gagné un peu d'argent. Ah, il y a aussi les charrues et tout. Ah ouais. Là, il faudrait bien commencer à charruer un peu. Bah, je sais pas comment on dit, charruer ou. Moi, je dis, je passe la charrue, c'est tout, moi. Ça passe mieux. Alors, attendez. Déjà, il faut que je prenne bien comme il faut. Je voulais prendre toute la bande au début. Je peux apparemment oui mais là je vais pas prendre c'est juste qu'au début je prends au début donc voilà donc nous on va se laisser là moi je continue en haut je vais finir champ j'en ai pas pour longtemps je prépare pour la prochaine fois je verrai ce qu'on aura à faire voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse. Je verrai comment je fais le vote. Mais je pense que je vais faire comme ça pour voter le commentaire. Par exemple, je vais mettre mes trois commentaires. Cochon, vache, mouton. Les trois commentaires comme ça. Et vous aurez juste à me le dire, juste à liker, c'est tout. Bah, ce qui est plus rentable ou ce qui est pas plus rentable, comme vous voulez, moi je m'en fous. Hein.
toute façon, c'est un épisode. Après, on va changer de map. Donc, après, au bout d'un moment, dès que la Black Sheep, ils ont fini leur test et tout, nous, on change de map. Donc, je vais aller sur la Black Sheep et on sera plus sur la Terre bretonne. Donc, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à voter sur les commentaires et tout hein, pour ce que vous voulez comme animaux, etc. Nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire positif, négatif, à liker cette vidéo aussi. N'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas, je crois que je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi, je vais finir ce champ off. La prochaine fois, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à tout le monde.